Salut les girls, on se retrouve aujourd'hui pour la Gretel Box du mois de février de mon mari. Je lui avais pris donc cette box pour Noël pour 3 mois. Et voilà, son abonnement s'arrête. C'est pas dit que je lui reprenne pas une box de temps à autre pour lui faire plaisir. Alors déjà, je voulais juste vous montrer le petit tu de la halle aux vêtements, donc dans la nouvelle collection que j'avais montré dans mon haul solde. Donc qui était dans la nouvelle collection à 24€ et j'avais eu 10€ dessus en moins grâce à mon bon d'anniversaire. Voilà, comme ça vous le voyez un petit peu porté. Je l'ai mis que pour vous, juste pour la vidéo. Je vais ensuite l'enlever parce que j'ai froid. Allez, on y go. Alors, un tout petit retour sur les anciens produits de la box précédente. Alors, les crackers graines emmental bio étaient super bons. J'ai goûté un tout petit morceau, c'était très très bon. Les cranberries qui venaient directement, attendez, je vous redis ça, d'Amérique du Nord, excellente. Le crispy chocolat noir, c'est pas ce qu'il a adoré en particulier. Le mélange Caraïbes et tropical, excellent. Les crackers de riz et de poivre et sésame, c'était très bon. Alors, pour celui qui craint pas le poivre, pour moi, c'était un tout petit peu corsé en poivre. Le mélange Tonus, donc qui était un mélange de fruits secs et de haricots grillés et de fruits séchés, était excellent. Et le mélange de fruits au yaourt, alors lui, c'est pas ce qu'il a préféré. Moi, franchement, j'ai goûté, j'ai adoré. Et je vais voir avant la fin de l'abonnement, là, du mois, si je peux pas en reprendre un petit sachet. Alors, il n'est pas dit que de temps en temps, je ne reprenne pas une box, bien évidemment. Alors, pour celle de février, vous avez toujours le petit fascicule avec des exemples de repas équilibrés, des exercices. Bon, je vous avais dit, nous, c'est pas pour ça qu'on l'avait pris, hein, c'était juste pour se faire plaisir. Voilà. Alors, en petit cadeau, un petit thé de la marque Love, excellente marque, à l'amande. Franchement, ça doit être très très bon. Et on y go pour les 5 produits qu'il a choisis, parce que je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de recevoir des produits obligatoirement. Vous pouvez vous-même sélectionner avant le 28 du mois vos propres produits. Alors on y go. Des rochers choco peanuts. Donc c'est des rochers au chocolat au lait et au cacahuète. C'est bien ce qui me semblait. Mon Dieu, ça doit être une petite tuerie. Ça doit ressembler aux produits américains, là, les Reese's, hein, à mon avis. Hein. Je vous ferai peut-être un retour dans les produits terminés. Ensuite, il s'est pris un mix de pois salés. Voilà. Donc, une super alternative aux protéines animales. Donc, c'est un mix de pois et de haricots salés. Ensuite... Ah, j'allais dire, oula, amandes au caramel salé, l'équilibre sucré salé, amandes grillées et salées au sel de mer enrobées de chocolat blanc et de caramel. Regardez-moi ça les filles, eh oui, j'essaierai quand même de goûter un tout petit morceau, ça doit être une tuerie. Alors ça c'est un peu moins pour moi, mélange Bombay épicé, Atika Tika Chic, aïe aïe aïe, exotique, hot, des paysans. Voilà, donc c'est un mélange épicé avec des noix de cajou. J'espère que vous voyez bien. Et ben on aura fait court quand même, un mélange d'amandes de Californie fumées. Et je vois que le paquet a déjà été bien entamé. Voilà, donc je vous rappelle que les sachets ont toujours une date de péremption derrière, qui vont assez loin, et avec un petit zip pour refermer, et ça c'est très pratique. Voilà, je vous ferai peut-être un retour de certains sachets dans les produits terminés. Hein. Après tout, on n'est pas toujours obligé de parler de make-up. Voilà, je vous dis tchuss les filles, et à bientôt.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça m'encouragera, moi qui suis relativement timide, pour moi c'est toujours un peu difficile de me mettre devant la caméra. Allez, tchuss !